ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte parlait et frappait fort criminel assassin qui touille le président Jovenel Moïse. Ou après dans la vidéo, parce que nous avons des détails pour vous. De l'autre côté, nous avons toujours dans ça qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Journal américain, comme d'habitude, l'a frappé. Journal ça qui c'est New York Times. Eh bien, il y a un pile vérité qui parle. En dedans vidéo ça, nous prenons qu'on ait tout détail. Et ça fait que nous demandons de rester là parce qu'on parle en pile détail. En dedans vidéo ça. Aïe, c'est Fomson, dans l'autre côté, Michel Joseph Matéli, qui est ancien président de la République, qui est parrain, ancien président assassiné, qui est Jovenel Moïse, et qui parrain, premier ministre actuel, AI, de facto, Ariel Henry. Eh bien, ancien président, qui est président actuel, mais qui pas en dedans palais national pour le moment, mais qui mettait ce que le général lui, en dedans palais à qui c'est Josué Pierre-Louis, et que ancien président a dirigé palais national et pays à distance. Eh bien, frère avec ce super chef là a décidé rentrer dans un gros bout de tonton négociation politique avec une série de diplomates. Diplomates qui étaient toujours là depuis longtemps, qui comportaient un super chef en maître pays. C'est eux-mêmes qui connaissent qui est pour mettre chef. C'est eux-mêmes qui connaissent qui est cap président, qui est cap sénateur, cap député, qui est cap président. Mais de fait, ils ont rentré dans une négociation avec le président Joseph Michel Matéli, la Kaili, dans Pégiville. Eh bien, ça qui sorti dans la réunion, ça, dans la rencontre, ça, il y a un pile de paroles qui ont parlé. L'équipe qui est en place là, qui est l'équipe Ariel Henry, ils ont commencé à paniquer. Il y a une délégation qui a représenté le pays d'Haïti dans le pays de Dubaï. La délégation a gagné plusieurs ministres là-dedans. Il y a un ministre et affaires étrangères là, qui est Généus. Il y a un ministre touriste là. Il y a un ministre commerce là. Il y a un chef cabinet Ariel Henry. Il y a plusieurs autres encore. Il y a près de 4 ministres qui voyagent. Aïe, c'est Fomson. Il y a un pile parole qui parle dans la rencontre ça. Même bon côté, équipe Ariel Henry qui plein, il faut comprendre que Gédéné qui voyage là, en retour, ça qui arrive, en panne chef. Ça qui arrive, yon en panne chef. N'est-ce pas parti officiel, et puis le tourne. Comme n'est-ce pas dit ça, civil. Il y a des gros paroles qui parlent, dans l'éventuelle rencontre ça. Dans l'autre côté, il y a un pile paroles qui parlent. Dans ce qui est pour eux, avec mercenaires colombiens, qui est dans la prison pénitentiaire nationale. Est-ce que nous songeons une déclaration que le premier ministre actuel, le premier ministre assassin, a fait avec le journal américain qui c'est CNN? Côté que monsieur te dit comme ça que les papes Kembe, pièce colombien, sous prétexte que ils ont participé à l'assassinat du président de la République. Et les pralouais, ensemble avec l'autorité judiciaire, pour regarder qui, par qui moyen, il est capable de libérer Colombien ça, pour rentrer dans le pays. Parce qu'il n'est pas capable de faire des gens qui sont innocents, en prison dans le pays. Il n'est pas fait mon habit. Ariel Henry. Et mes frères, avec ce dossier, ça a tourné sous table encore. Nous-mêmes, avec, nous-mêmes, dans Infobeto, nous sommes les gens qui ne peuvent pas rien passer pour vous, surtout, toujours dit nous ça. Dans ce qui est pour avec l'assassinat de Jovenel Moïse, pas rien qui a rapport avec la vérité. Qui n'a pas quitté passé. Nous prenons responsabilité, nous. Quel que soit ça, ça coûte nous dans la vie, nous. Nous avons dit la vérité. Aïe, c'est Fomson. Restez dans la vidéo parce qu'on va aller en détail. Restez là. Il y a une autre chose qui est pire encore. Est-ce que nous, j'aime poser question. Qui ça a fait avec cadavre? Gilbert Dragon. Nous songeons que, ancienne première dame, non? Qui sont victimes de groupe assassin ça, et qui perd du mari, qui c'est Martine Moïse. Ancienne première dame, nous te font tweet, quand elle était demandé, elle était exigé,
autopsie cadavre Gilbert Dragon. Pas de monde qui te répond. Équipe Ariel Henry te couché sur yo bien bas. Parce que demande ça sont demande tête chargée. Et ça qui pue dur. Avant hier là, nous jouons juge qui était sous dossier, hein? Qui c'est juge Gaïolien, qui m'a pas grand pile, qui m'a pas grand pile respect pour lui. Mais j'ai dit qu'on ça que, lui-même, lui quoi que, c'est touillé, n'a que touillé Gilbert Dragon. Parce que Gilbert Dragon, il y a pile information dans elle. C'est même surtout, lui inquiété, pour ne pas touillé Dimitri Herrera, James Solage, et pasteur Emmanuel Christian Sanon. Parce qu'il connaît, n'est que ça a grand pile en pile information dans mes. Mais m'a dit Gaïolien, ou gain information dans mes et ou bail FBI yo aux États-Unis d'Amérique. Ou pas qu'à démentir. Frère avec ça, en pile parole parler. Dans l'autre côté, souterrain qui est pour avec cartel drogue dans le pays d'Haïti. Yon ancien drogue dealer que États-Unis d'Amérique t'est arrêté. Dans le pays d'Haïti, ils ont pris, ils ont rentré aux États-Unis d'Amérique ensemble avec elle, mais ils ont passé 12 années dans la prison Balamé. Nos citoyens, ça, c'est ED1. ED1 qui a un paquet de places, un paquet de gros espaces dans le tabac. Pas de monde dans le tabac qui ne connaît ED1. Eh bien, après, ils ont passé près de 12 années prison en Balamé, aux États-Unis d'Amérique, ils ont rentré dans le pays d'Haïti, ils ont libéré monsieur. Ça pas gagné, ça pour gagner 2 ans, depuis que BLTS dans le pays d'Haïti, t'es arrêté ED1, qui t'a sorti dans le sud-est pays, plus précisément, dans la commune Côte de Fer, avec le convoi de drogue. Y'a t'es pris 2 policiers pour monsieur dans la zone Gressier, et y'a t'es pris ED1 dans la commune Léogane. Yo te joué une cocaïne qui était évaluée à plus passer 1 million de dollars américains dans 2 machines. Eh bien, BLTS t'a arrêté monsieur, rentré de CPJ ensemble avec le CPJ, t'es passé monsieur dans la police et puis remettre la justice haïtienne. Eh bien, frère avec ça, dans 4 à 5 mois encore, la justice haïtienne te négocié avec ED1, yo te libéré ED1. Eh bien, frère avec ça, encore une fois, hier, dans la capitale pays, qui c'est Port-au-Prince, ils ont arrêté ED1 encore pour drogue encore. Mais fois ça, l'a tourné côté qui gagne justice là. Dans le pays, les États-Unis d'Amérique. ED1, avec la jouée qu'on y a, on va faire la douce pour même encore. Et s'il possible, il y a tout qu'un bon, parce que qui s'est passé. C'est ça qu'ils ont toujours dit, non? Si couteau jeune bon chemin, c'est bon chemin la perdit. Bosma sont capables de vendre des outils, mais pas oublier mes outils. Yon a qui passe tout le temps ça dans la prison, ou vient dans le pays d'Haïti pour prendre droit encore, et pour rentrer dans le domaine droit encore. Aïe, c'est fois, monsieur, next ça définitivement, c'est passer pour passer à l'infinitif. Aïssé Fouam Soum, Jacques, qui m'a dit nous, hein. Il y a un pile causé qui nous va parler en dedans vidéo ça. Mais comme d'habitude, avec tout respect, avec toute estime que m'a pour nous, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous, et ou regardez nous, hein. Encore une fois, Jacques, qui nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'assemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien, à chaque fois que me connaît, m'a fait partager mon moment ensemble avec nous, et que me connaît, nous va réagir exactement à travers commentaires. Alors, c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit en dedans vidéo ça parce que Jacques qui nous toujours dit autant de ou comprendre ou apprécier et mais normalement gain un point cap attirer attention quand même dans ça qui dit en dedans vidéo ça parce que il est clair Aïssé Fouam Soum Jacques qui moi toujours dit nous les moi prend plaisir d'en suivre nous cap partager vidéo cap commenter cap dire ça nous comprendre ça nous penser de ça qui dit dans vidéo de plusieurs points que nous pourrons toucher dans la vidéo. Parce que nous avons environ 8 points
Nous avons environ 8 points que nous prenons de côté avant dans la vidéo. Nous avons pile d'informations pour vous. Nous avons pile gros bout à toute analyse et commentaires dans la vidéo pour vous. Que nous prenons ensemble avec vous. Monsieur Touré était là parce que nous avons pile d'informations que nous prenons partager ensemble avec vous. Encore une fois, je profite pour vous remercier nous. Le fait que nous faisons choix de plateforme YouTube et Fobeto pour que nous jeunes informations sérieuses, pour que nous jeunes bon analyse et commentaires sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Haïti, c'est comme ça, je me dis, ancien premier ministre PIA, qui c'est Laurent Salvador Lamotte, il parlait avec la coalition d'assassins qui touille le président PIA, qui c'est le président Jovenel Moïse. Alors, ancien premier ministre Lamotte dit comme ça que nous avons toute gang coup d'État, plus assassin, caractère président Jovenel Moïse, a piafé, tombé, inventé toute qualité, faux théorie, tête chatte, pour faire diversion. Peuple a démasqué nous. Ça n'a pas passé. N'a prêté focus pirate sous graine, c'est homme qui sait, c'est homme justice, pour président Jovenel Moïse. Léo a 0%, léo fait 0%, ou à comprendre. Chat connaît, rat connaît, Barik Marie a prêté là. Ma prépète pour nous encore, sa PM nan dit, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Li parle avec coalition d'assassins qui touye président PIA, qui se président Jovenel Moïse. Premier ministre Lamotte dit comme ça que, nous a tout gang coup d'état plus, assassin caractère président Jovenel Moïse yo. A piafé. Tombe inventé. Toute qualité faux théorie tête chatte. Pour faire diversion. Les dit monsieur comme ça que. Peuple a démasqué nous. Ça pas passé. N'a prêté focus pirate. Sous yon grain sérum. Qui se sérum. Justice pour président PIA qui c'est Jovenel Moïse. Les oiseaux 0%, ou à comprendre. Qui ça PM n'a voulu dire? À qui SPM n'a parlé directement? Parole en pilio. N'a pas comprendre. Eh bien, ça pour comprendre. Moi, je pense que famille, amis, plateforme, tout, mais faut être pas égaré. Il y a plein de gens qui comprennent. Eh bien, frère, avec ça, Jacques m'a dit nous, dans sa guignée pour toujours, toujours, avec assassinat président Jovenel Moïse, nous avons des détails. Parce que, yon association militaire colombien, qui dit qu'il a défend la famille dans le pays Colombie, et qu'il a défend, mais c'est dans Colombien qui touche Jovenel Moïse, il a prononcé sous cadavre. Trois Colombiens qui étaient mouru dans le moment Léon Charles ta bataille avec Colombien yo dans tête Petroville dans pèlerin dans tête jalousie. Eh bien nèg sa yo bataille là pour que yo jwenn cadavre trois mercenaires colombiens sa yo. Gen pile parole qui parle. Et on est vim. Yo soulevé colème. Yo dérange moi-même moi dit tête moi il est pas possible pour nèg yo fin touye yon président de la république et puis c'est comme ça pour yo à l'aise c'est comme ça pour nèg yo confortable après yo fin tuer président pays ça est plus que révoltant avec yon un journaliste reporter Radio Télévision Caraïbe, qui vive dans l'État Floride, monsieur c'est Luxon Saint-Ville, qui t'a parlé ensemble avec monsieur dans Grand Boulevard, qui c'est Pierre Renel, Bob C, Guerrier. Eh bien, monsieur t'a bail détail sur ça que lui connaît, qui vient pour avec. Journal New York Times
fait sortir dans le dossier assassinat de Jovenel Moïse. En outre de Luxon Saint-Ville, qui t'a ban nos détails, et puis nous même dans InfoBeto, nous avons tourné tout de suite après pour nous venir parler causer ensemble avec vous. Parce que dans pile parole qui parlait, qu'on doit comprendre. C'est extrêmement important. En nous tendez, Luxon Saint-Ville, rentrez sorti là, n'a pas fait l'ensemble avec vous. Je dis nous que moi-même en pile, et son plaisir pour que m'ensemble avec nous. Dossier assassinat, Jovenel Moïse, New York Times, en avance. Déjà, journal américain, vous fait connaître, ni Palacios, ni Rudolger, vous déjà commencé à collaborer avec FBI et DIA. Voilà, Luxon Saint-Ville, correspondant permanent aux États-Unis, Luxon Saint-Ville, concernant les relations colombiennes qui est en prison, colombiens qui est en prison en Haïti, accusé autorité haïtienne, je dis qu'il apparaît pour bouler cadavre trois l'autre ancien soldat, la police est touillé après attaque à l'ancien président 7 juillet passé à Nayorati qui soutient. Le journal Miami Herald, ailleurs, va dire, représentant prisonnier au fait qu'on est, cadavre, ça y est, c'est une série d'éléments, preuve, gouvernement semblait à essayer d'éliminer. Toutefois, selon le journal américain, pas de monde qui compte côté corps colombien, ça y est. Dans le moment, on a parlé là. Luxon Saint-Ville, bonjour avec nous, comme d'habitude, chaque fois, il y a une publication, quand on va vivre aux États-Unis, hein, sous situation, enquête, sous assassinat et Jovenel Moïse, nous comptons avec vous, matin pour nous. Oui, oui, ensemble, article ça. Bonjour. Bonjour, Jovenel. Bonjour, Guerrier Tussel. Bonjour, Robert Séliné. Bonjour, tout le monde. Effectivement, c'est un article qui sorti hier. C'est une série d'accusations que ancien soldat colombien qui est en prison en Haïti ont fait à travers un représentant qui parlait à journal Miami. Les gens qui parlent ça. Rosé Espinosa fait connaître groupe mercenaire yo souhaité que l'autorité haïtienne préserve les petits Kembe et corps trois anciens soldats qui ont même été tombés après l'assassinat de ce président Jovenel Moïse. Là, on a parlé de Duberné Capadol Giraldo, Miguel Guillermo Garçon et Mauricio Javier Romero Medina, ces trois anciens soldats colombiens qui ont même été morts et cadavres et subi examen par un juge haïtien. La question ça rapport la connaît. Donc après 9 mois, l'autorité haïtienne semblait tarder bouler cadavre, monsieur Sayo. D'après ça, est-ce qu'il même ses représentants prisonniers déclaré dans Miami? L'Espinosa fait connaître que lui-même c'est un membre à une association militaire en Colombie qui a défendu famille et soldats et a défendu soldats tout depuis l'heure été arrêté en Haïti. Le représentant a dit, Pierre-Renel Guerrier Bobsé, malgré demande que le groupe cap défendre M. Colombien, l'autorité haïtienne me semblait déterminée pour y aller de l'avant, pour y bouler cadavre et ancien soldat colombien qui était mort après l'assassinat. Donc, le représentant dit que M. qui est en prison, il n'y a pas d'accord, ça, il est opposé totalement. Et raison qui fait opposer, monsieur, il dit que Jean, trois soldats, ça a mouru. Yo ont si gens à poser en pile question. Yo dit que c'est exécuté ou exécuté monsieur yo. Et yo dit cadavre capable et servir des éléments de preuve. Et yo dit si autorité haïtienne yo décidé bouler cadavre yo, y a une bonne preuve cap éliminer. Et yo dit que normalement et gens cadavre monsieur yo paraît gens crâne crasé. Et j'en famille, au même tout, ils ont parlé de la situation. Ça, c'est preuve que c'est exécuté ou exécuté, monsieur. Ni famille, ils ont présenté parler avec une amie amirale, ils ont dit qu'ils n'ont pas souhaité que cadavre, monsieur Sayo, ils ont boulé. Cependant, le représentant colombien a déclaré que gagné entre-temps, et des membres de la famille, anciens soldats Sayo,
qui ont été classes divisées et des sous possibilités pour ta boule et cadavre, monsieur. C'est quelqu'un qui dit il y aura un problème pour toi pour ta fait ça. Juste vous, il reste là, vous, il reste là-bas ou en Colombie. Mais il y a un autre groupe de familles qui eux-mêmes. Yo ti yo pa d'accord ça du tout parce que pour eux-mêmes c'est des preuves importantes et si yo pou boule yo pour ça yo a détruit les bagages yo pas tout à fait donc selon Espinosa c'est représentant monsieur yo autorité haïtienne yo normalement il prévoit bouler quatre ça yo ça y environ en semaine et demie mais représentant dit en raison de difficultés logistiques yo te vinn obligé annuler question boule de cadavre là donc pour qu'on y a là pas gain aucun détail qui le ça a privé fait mais journal Miami a été fait effort pour le parler avec commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine qui lui-même normalement selon journal là t'es doit autoriser yo remettre comme monsieur yo et bien Jacques Lafontaine parti Miami a gagné d'ailleurs il demande pour ballon titan pour être capable d'examiner le dossier et ouais, qui gagne comme information. Mais il dit que il va connaître et côté commissaire et qui ça qui a fait ensemble avec eux. Donc, en gros, information, c'est ça. Hein? Le président ancien soldat colombien, il dit que Colombien qui est en prison, il n'est pas d'accord pour l'autorité haïtienne. La seule information qui a parlé pour les cadavres, monsieur, parce que pour eux-mêmes, c'est des éléments de preuve qui est extrêmement important pour eux. Alexandre Saville, cadavre, c'est pas cadavre physiquement ou elle mène dans le tribunal. Donc c'est médecin légiste qui peut faire analyse, tant que ça fait sur tout cadavre que vous faites autopsie cadavre et vous mettez pour enterrement. Donc même est-ce que au courant que autopsie cadavre, monsieur, ça n'a pas fait, qui fait que a parlé d'enterrer cadavre, brûler cadavre, comme ça. Effectivement, donc, représentant dans l'article, ça, il dit que famille, monsieur, anti-crasse, est inquiété, il ne comprend pas comment pour qu'on gagne vraiment des analyses qui poussent, qui font sous cadavre, et puis autorité haïtienne, il voulait bouler cadavre. Pour eux-mêmes, il dit que cadavre, c'est preuve liée pour eux. Parce que normalement, même autorité dans le pays de Colombie, selon sa représentante du journal Miami Herald, et c'est une situation qu'il y a à suivre. Et il dit qu'il reconnaît peut-être que monsieur, c'est des éléments de preuve. Parce que pour eux-mêmes, pour famille monsieur et pour monsieur colombien qui est en prison en Haïti, et c'est exécuté ou exécuté monsieur. Donc, association militaire qui a défendu monsieur, si vous avez déjà écrit une lettre à gouvernement haïtien pour nous camper sous plan là, qui s'est boulé comme monsieur, mais jusqu'à présent, l'autorité haïtienne, selon sa représentante, et il n'y a pas de réponse. Mais même famille de fer et guerrier, selon sa journaliste, Miami a mieux à le rapporter, ils ont vraiment exprimé des doutes sous l'autorité haïtienne, qui si bagay la passé de déroulement événement juste après et Jovenel Moïse est assassiné façon yoté pran monsieur mais façon tout yoté touye trois et anciens soldats d'ailleurs gen des membres de famille monsieur qui dit que autorité haïtienne yoté fin di 4 après ça yo vin di 3 donc pour mon famille anciens soldats colombien yo Jean yo prend monsieur, ça qui arrivait après l'assassinat de Jovenel Moïse là, yo fait comme si il y a des doutes sous Jean, autorité en Haïti, t'as expliqué ou bien partagé information avec les populations. Et même bien ceux qui ont dit que lui-même, ça qui est important pour lui, faut lui. Et pour analyse qui fait sous commissaire et pour cadavre et frère là lui-même vini en Colombie. Donc ça veut dire son élément d'information qui est rentré dans dossier ça et famille colombienne y a joué sous ça parce que pour eux-mêmes ils estiment que l'autorité haïtienne n'a pas gagné volonté pour la vérité sur ça qui passé là. C'est comme quoi pour famille colombienne il y a des bagages qui sont cachés. Il y a une autorité haïtienne qui n'a pas voulu qu'on connaît. Et c'est ça qui fait qu'on prend devant pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça.
et tout même écrit gouvernement haïtien pour demander au camper sur ça, parce que pour eux même c'est des éléments de preuve extrêmement importants. L'élection de Saint-Ville, c'est pas seulement cadavre soldats colombiens, yo gagné le colombien qui est actuellement en prison et en Haïti, qui ça représente un dit sur situation et conditions incarcération soldats, yo, puisque tu gagné de parole qui t'a pas écouté, il dit que tu peur pour sécurité, yo. Effectivement, c'est des inquiétudes ou bien des préoccupations qui toujours été dans la mesure où après monsieur était fini rentré dans la prison, il y a des organisations de défense des droits humains, familles et même membres du gouvernement en Colombie qui étaient à dénoncer façon que mettez monsieur dans la prison. Et dans le même article, ça, le représentant parlait de ça, il parlait de critiques que famille en fait et vis-à-vis du traitement que vous avez avec monsieur et dans la prison. Selon le représentant, vous toujours qu'aimez monsieur et minoté, et conditions côté à vivre là, il vraiment pas bon du tout. Donc, c'est même si on connaît ça et dans la prison en Haïti, et j'en vois monsieur mal vivre dans pénitencier, insalubrité, etc. Monsieur Colombier, on est dans la même situation. Et ça fait que la famille, avocat et membre du gouvernement Colombie, ils ont toujours à dénoncer Jean-Monsieur Sayo, donc même ils ont détenu en Haïti. Maintenant, il y a des informations qui étaient déjà circulées pour et faire connaître des possibilités pour déplacer Monsieur Sayo pour permettre de rentrer la CAIO. L'article, ça n'a pas de trop de détails qui baillent sur ça. Parce que le représentant mettait accent sur ça, parce que pour eux-mêmes, c'est des bagages qui sont extrêmement importants. Mais en termes de traitement pour monsieur qui en Haïti ou qui est en prison, ils sont toujours préoccupés par lui et ils continuent à demander aux autorités haïtiennes pour bailler monsieur en protection, malgré rien ou accusation sur eux. Ouais, Miami, Erald est très intéressé à l'évolution de la situation. Au moins, pas passer son article par souci. Mais pas une fois, par un article qui fait mention de City U, qui c'est un service américain en Floride qui était utilisé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon information. Il me songeait où tu essayé de contacter City U, entreprise ça. C'est difficile. Qui s'est passé? Parce que là, vraiment, pas gens mon article qui fait mention de service ça aux États-Unis. Alors, il faut me dire que après le mois Jovenel Moïse, j'ai gagné plusieurs médias qui étaient tentés une réaction responsable CTU sur question ça, puisque nous avons rappelé que compagnie sécurité ça qui trouvait la Floride, les compagnies qui étaient recrutées, monsieur ancien soldat colombien pour te rentrer dans mission en Haïti. Il y a plus de médias qui étaient tentés faire ça, par exemple. Je me rappelle dans Fonds de Recherche et premier ami Erald te font parler avec un avocat responsable de compagnie ça qui lui-même t'est tenté défendre raison qui fait compagnie ça lui-même l'été impliqué ou du moins qui non cité dans l'assassinat. Avocat a dit clairement que lui-même était une mission bien spécifique, c'était recruter de monde pour entrer en Haïti pour capable d'avoir une protection avec des VIP en Haïti. Donc, avocat a dit que question assassinat, pas de jambes balées. Mais par contre, il y a des informations qui t'appellent Vin Sotsi qui dit que le plan t'appelle Vin changer de protéger un VIP, protéger un projet et question solaire non ville province en Haïti pour passer avec arrestation Jovenel Moïse. Et finalement, après le vina abouti avec assassinat. Donc, il y a une bonne coupure qui fait dans le fil événement, mais avocat situé pas en mesure de pas décider des détails sur le changement du plan. Donc, sauf que l'avocat a toujours dit, toujours dans le contacté, que City U lui-même, il était un contrat, il était une mission bien spécifique, et dès le départ, pas de causer assassinat. Donc, c'est seulement des détails que nous avons sur City U. Mais est-ce que le compagnie ça lui-même est fermé? Est-ce qu'il continue à fonctionner sur un ensemble de questions qui étaient sans réponse? Maintenant, côté responsable compagnie ça
est-ce que gagné des interpellations qui fait, on rappelle que gagné une intervention que responsable FBI a été fait pour côté une responsable compagnie ça pour des fonds perquisition pour garder qui ça lié la caille qui lié ni gagné avec question assassinat. Mais jusqu'à présent pas rien des éléments concrets qui sortent si tu lis comme si dans toute situation qui vient là. Il n'y a pas trop parlé de lui parce que il y a une série d'éléments d'information qui fait quoi que son mission que le gagné pour employer des gens pour faire et ça qui partit en Haïti, ça qui a pas vu transformer en assassinat. Mais dans tout article qui sort de ça fait quelques temps nous battons de parler de CTO, mais l'élément d'information qui est là, c'est quelques mois. Et il était sorti, mais pour l'instant, nous pas trop entendu parler de CTO, j'ai envie de dire. Oui, avant d'aller, Luxon, à part de dernier à Atixa, qui est l'autre nouvelle qui vient sous dossier, qui suit, qui baille à audition, détenu qui est aux États-Unis, qui ça, Sami Randall, devenu après, il était bloqué les Turquies, et qui nouvelle donne qui vient sous dossier ancien sénateur John Joel Joseph là. Alors, Sami Randall, beaucoup de parler lui-même, il est toujours en Turquie, il y a des documents que le gouvernement turc a donné dans les autorités haïtiennes pour capable faciliter l'extradition pour y aller en Haïti. Information qui fait croire que le gouvernement haïtien a envoyé des documents pour capable faciliter ça. Puis, je n'ai pas appelé que famille, appelé madame, asile dans le pays Jamaïque pour qu'il y ait une réponse qui baille sur ça. Avocat John Joel Joseph demandé pour qu'il soit capable d'envoyer audition John Joel Joseph en attendant que les autorités immigration dans Jamaïque répondent à la demande d'asile familial. Donc son dossier qui était en attente. Bon, ici aux États-Unis, gagné Mario Antonio Palacios avec et Rodolphe Jean, qui ont même gagné un avocat qui a joué sur le temps, gagné un avocat qui a essayé de jouer avec le système judiciaire américain pour capable faire passer le temps. Gagné un dernier rendez-vous que Mario Antonio Palacios a gagné récemment, et bien, avocat a demandé plus de temps pour être capable d'analyser le dossier, tenter les clients pour être capable fait un plus bon défense parce que prochain rendez-vous qui vient là, Marie-Antoine Palacios pour gagner pour le plaider coupable ou non coupable. Donc, avocat et Palacios et Rodolphe Jean m'ont dit plus de temps pour analyser ça qui vient faire que le dossier est capable d'aller plus loin que le monde a avancé et c'est sûr que. Vraiment avec ça, il y a une information. Capou nous pas en bas que nous même dans info beto n'a cherché confirmer qui ça bagaille là mais le pas étonné nous pendant m'a dit ça gagné en pile monde qui t'a fait quoi que équipe qui te bail l'argent payer mercenaires l'argent pour venir touyer président Jovenel Moïse là et ben le fait que yo arrêté mercenaires yo et Palacios li nan ou li nan mitan koze a côté qui gen justice États-Unis d'Amérique et ben yo t'a fait quoi que c'est même nèg oligarque corrompu yo qui te bail l'argent pour tuer président pays a c'est même nèg ça qui a payé cabinet d'avocat pour Palacios. Jusqu'à quand on parle avec nous là, on travaille sur l'information, on a balayé sur toute réserve. Mais ça va bétonner nous. Ça va bétonner nous, ça va le dépendre parce que, à quoi les gens te signent avant que les gens prennent le contrat, ils doivent tout ça dans la clause là. À quoi? Et je connais ça va bétonner les gens parce que l'objectif, c'est de pour tous les jeunes de Moïse seulement. Depuis, il y a signé n'importe bagaille là, il y a signé n'importe bagaille pour retourner Jovenel Moïse. Surtout, il était pensé que, automatiquement, fin de Jovenel Moïse, il y a tout pour le pouvoir automatique. Et puis, quand il y a l'Assemblée nationale, disparaît tout ça qui est pour elle, avec preuve que nous sommes capables de gagner, que nous sommes capables de gagner pour nous connaître qui est le président pays qui est Jovenel Moïse. Bien compté, mal calculé.
parce que même mal là criminel elle a fait il fait mal. Bon Dieu toujours dit ça. Bon Dieu pas jambe peine sans secours. Nous méchants, nous criminels, mais comme Dieu dans celle-là qui a gardé. C'est lui qui crée la terre avec ciel là. Nous venons sous terre, nous faisons toute qualité sac malhonnête. Toute qualité crime sous chrétien vivant. Mais comme Dieu dans celle-là qui a gardé. Et m'a prié pour nous. M'a prié bon Dieu pour qu'il y ait boulot sans santé. Parce que faut boulot qu'on ait tout reste la ville en prison. M'a prié bon Dieu pour qu'il y ait la vie Dimitri Vob comme si normal. Qu'il y ait mis en santé. Pour que ça y ait qu'on ait tout reste vie dans prison. Et pour peuple là, qu'on ait exactement, mais qui qualité mal, tout n'est que ça te fait pays. M'a prié bon Dieu pour qu'il y ait n'a qui dans banque yo, n'a qui t'a vendre gaz yo. Les qui dans APN yo qui ba gros l'argent pour tout le président pays a m'a prié bon Dieu pour que bon Dieu que mes santé OK parce que faut nèg ça yo connaît so yo pour crime ça que yo fait dans pays ça détruire un pays pendant 36 l'année pour moi parce que me prend de 86 à nos jours dernier crime que nous fait nous marquer l'histoire nous tuer 58e président d'Haïti. Yon nèg noir. Ça veut dire que nous prouvons que nous avons green dans Bouddha. Nous avons tant ça à vivre là. Si nous sommes capables de faire comme ça, c'est que nous sommes mettre sous la terre. Et bien, nous avons Jean s'y va avec dents. Qui est-ce qui t'a fait avant? Si nous sommes haïtiens, nous avons connaître pour tout bon. Parce que nous méchants, nous criminels, nous gang. Nous pas bay pays sa chance, nous pas bay peuple sa chance, même parce que y a des monde qui prend responsabilité envers nous même quand même. Parce que nous criminels quand même. Nous méchants pile et pays a. Est-ce la boubal. Ah c'est femme somme, Jean qui me dit nous. C'est bagaille grave oui. Bagaille que c'est moment grave même parce que nation en pays a et après nous dans dimension non. En pile parole parler. En pile ou nous. En pile, vous monter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, dans la rencontre, ça, que ancien président pays, Joseph Michel Martelly, était ensemble avec Diplomatio, il faut comprendre qu'il y a un pile parole qui parle. Eh bien, moi-même, plus gros problème. C'est le fait que Martelly, c'est un ancien président de la République. Que blanc qu'on est que, Matéli livré président pays qui c'est Jovenel Moïse. Pour moi blanc chita avec Matéli. Ça dérange. Ça domine li ban problème. C'est avec Matéli pour chita pour retirer Ariel Henry. Pas de problème tout quelque part non. Et le fait qu'ils sont ancien président, ils sous cette politique là, ils sont acteurs. Pas de problème. Mais messieurs, comme si chita avec Matéli, c'est lui-même avec la concentration, comme si entre lui, comme si entre nous même pour nous mettre, qui est-ce qu'a président, qui est-ce qu'a premier ministre, là, en ligue avant pile. Mais de toute façon, je pense que, l'important pour que l'élection soit faite dans le pays, et les obligations, pour moi-même, pour la diaspora haïtienne capable de gagner le droit de vote dans l'élection. Ça est extrêmement important pour moi. Pour que la diaspora haïtienne gagne le droit de vote dans l'élection dans le pays, ça. C'est très très important. OK? C'est très très important pour moi. Et me souhaite que nous bataille, nous mettons n'importe là pour ça arriver fait parce que si diaspora haïtienne n'a pas arrivé capable voter dans l'élection, on pas ban menti, bataille ça c'est laver merci à terre. Comme qu'on est pas de possibilité pour pas participer dans l'élection parce que moi même quand son taille moi et me dit n'yo prend responsabilité nous pour ça fait. Parce que diaspora quoi dans nous? Participation diaspora haïtienne là. Dans l'élection, c'est dit à tout, ou prêt pour changement dans le pays d'Haïti, oui, ou bataille pour changement, oui. Et que nous prenons le pays à bon port pour tout le bon, oui. Ça veut dire, bah, combat qui a mené là, c'est combat pour diaspora haïtienne capable de rentrer comme si nous avons dans l'élection, oui. Même combat Jovenel Moïse a mené, oui. Et ça cause, obligé bataille pour jeune justice pour Jovenel Moïse. Parce que le pote dans l'ISA, c'est bataille pour jeune justice pour Jovenel Moïse. Parce que, avec autant de facilité, avec référendum constitutionnel là, le peuple haïtien a participé. Dans l'élection Jean Rouvlé. Diaspora haïtienne n'a pas participé dans l'élection Jean Rouvlé. Avec yon moun, yon vote. Pas de question yon la torture qui était dans Gonaïve, qui dit mais qui est-ce qui a gagné l'élection dans Gonaïve? Jamais.
avec 100 cartes électorales bagaliens. Vous comprenez? Tout le monde connaît, parce que chaque connaît, bah, il n'y a pas abrité là. Vous comprenez? Eh bien, il faut avec ça, équipe il a rien boudé. Qui s'est passé? Michel Martelly, c'est lui-même qui était tranglé, président Jovenel Moïse, fait président Jovenel Moïse valer Ariel Henry. Comme premier ministre. De fait, Jovenel Moïse était fait déclaration, il a dit pas de problème. Le fait que c'est Martelly qui est venu là avec, bon, tourner à ascenseur pour lui. Il m'a dit pour me prendre Ariel Henry. Et que sans pression pour Ariel Henry. Mais Jovenel Moïse, pas de jambe de connaît. C'est prendre Ariel Henry, c'était confirmation assassinat automatique. S'il te connaît pour diable. Il va apprendre dans la logique ça. Mais Ariel Henry, en tant que grand monde, 74 l'année. Qui était capable, papa président Jovenel Moïse, s'il t'a fait petit à 22 l'année. Parce qu'il était capable. Jovenel Moïse, les touillés Jovenel Moïse à 52 l'année. Autour d'un jeune garçon qui président qui était capable de composer avec elle, nous était entendre nous pour nous faire élection référendum l'étape là ou tape là pour pas crime ou pas assassin. Mais nous méchants, le fait que nous c'est équipe unité vérité l'espoir rival là, dit ça Dimitri Vob dit nous faire c'est l'inap fait. Nous méchants nous criminels et on paye pour lui. Oui Ariel. Ariel on paye pour lui ou méchant ou criminel mais on paye pour lui. Aïe c'est femme équipe Ariel en paniqué. Le fait que vous sentez que vous avez un jour pour venir là, probabilité pour que vous perdiez. Ou du moins, si vous avez un panne chef. Est-ce que vous comprenez? Probabilité pour que vous avez un panne chef. Moi, je regarde pour un vieux petit garçon comme ça. On vient un vieux fatra comme ça. Quand vous avez un jeune garçon 52 ans. Et vous nous dites, vous avez une bêtise avec ça. Bon, il y a pour 3 mois pour nous. On va aller où c'est total capital. Eh bien, je vais te dire, Ariel a fait une déclaration avec un journal américain qui c'est CNN. Côté que monsieur t'a dit comme ça que l'IPAP Kembe pièce colombienne en prison sous prétexte que il a participé à l'assassinat Jovenel Moïse sans preuve. Gros bagaille oui. Et il prend le ouais ensemble avec autorité judiciaire yo pour regarder comment on capable libérer colombien yo. Ça sont tests que l'IPAP fait. Mais nous même qui sur réseaux sociaux si nous pas te laler comme ça tout colombien ça va être libéré déjà. Si nous pas te laler comme ça prison pénitentiaire nationale d'Haïti te qui t'est cassé déjà, crasé déjà. Si nous pas là, le conseil Dimitri a été mouru, James Solage a été mouru, Emmanuel Christian Sano a été mouru. C'est parce que nous là, nous avons parlé, nous avons dénoncé. Et nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer. Parce que nous croyons dans la vérité. Dans ce qui est pour avoir assassiné Jovenel Moïse, la vérité est finie établie. En pile, nous avons été mouru. Nous avons tout été mouru, pendu tête, ou comprenez ça, madame, nous avons pris, ou du moins, nous avons fait un accident. Mais nous avons mouru après. Mais il faut que la vérité triompher dans vidéo ça. Non, comme si dans crime ça. Parce qu'il n'est pas possible. Aïe, c'est comme ça, en pile parole parler. Et Ariel Henry paniqué parce que pays Colombie a baillé pression. Pays Colombie a fait gros pression. Faut Colombien yo ta libéré. C'est du gros bagarre, oui. C'est du gros parole en pile. Vous connaissez, mais Ariel Henry pas calibéré nèg yo non. Mais elle a dit un coup de jour pour l'autre grand monde dans tout monde, vous venez perdre du respect. Pour ce grand monde, vous venez tuer jeune garçon. Vous venez perdre du respect, vous venez pas rien, vous venez sans respect devant la société. Est-ce que vous comprenez? Franchement, monsieur, vous voyez qui est grave, oui. Mais, frère, avec ce, monsieur, qui me dit non, et que l'équipe Ariel Henry a paniqué. Il y a un problème. Dans l'autre côté, Jacques, qui me dit non, c'est où? Grand monde toujours dit ça. Boss maçon capable toujours vendre outil mais pas lier métier. Et dit one son équipe gagne pile l'argent dans le pays d'Haïti parce qu'ils sont dealers de drogue. Soit Aristide Prival ça te met pays avec les quétans. Parce que tout gros dealers de drogue yo pas traité l'autre côté à l'époque c'était dans commune tabac qui ont habité. Sont capable de mentir. Tout gros dealer de drogue, c'est dans la commune tabac qui est habité. Parce que Aristide son dealer de drogue et tout. Aristide pas joué avec dealer de drogue lui-même. Et quand le dealer de drogue là, dit regardez, moi ça c'est au cap payer la police là. Moi ça c'est au cap faire tel bagaille. Et au tellement à l'aise, les gars, dealer de drogue qui baptise petit lui. Jacques Quétan. Est-ce que vous comprenez? Mais tout gros dealer de drogue, c'est dans la commune tabac qui est à l'aise, même commune, côté président Aristide habité. À vivre là. Ok? Et même les États-Unis d'Amérique, tu prends un paquet de dealers de drogue,
et la gonave qui était prend oui comme c'est dit encore c'est dans la c'est M. c'est Kaimsia qui gagne base BLTS là sous tabac là tout le monde ça m'a dit là dans zone qui gagne pile terrain la famille Manio que Aristide prend bay Unibank là donc c'est ça son dossier nous pour nous venir sous lui parce que tout le monde ça pas perdu on dit nous c'est mourir mourir pour ces habits fait dans pays ça on près de 110 cas de terre Aristide prend le bail Unibank li. T'es ça c'est tes moun kaade, tes paysan kaade. Depuis famille a commencé à entrer dans le procès, Unibank fait fusiller moun yo. On a dit nous tout ou t'en a joué un groupe de moun kap ka bataille contre nous. Parce que pays ça pas pour nous. L'équipe palestinien et comment les Libanais, ben gang criminel assassin, nous pensons que Haïti c'est pour nous lié. Ça va passer. Eh bien, frère avec ce, et dit ça, même j'avais compris que l'autre dealer, et FBI, t'es débarqué dans le pays, ils t'ont arrêté. Qui était passé 12 l'année dans la prison États-Unis, même Jean Ketan, même Jean, et dit qu'on était passé 12 l'année États-Unis d'Amérique. Ils coopéraient avec tout le monde de sa cause ou Aristide dans mon petit bébé dans le pays d'Haïti. Parce que Blanc connaît son machin de drogue. Ils se connaissent, ils se comprennent ça. Blanc connaît son machin de drogue. Ok? Eh bien, et dit qu'on, après elle était sortie États-Unis d'Amérique, il était passé un bon bout de temps dans le pays. Mais c'était pas l'autre activité que le café encore. C'est drogue pour continuer parce qu'il y a un contact colombien qu'on a bal drogue. BLTS dans le pays d'Haïti, tu fais filature sur un convoi de drogue que monsieur t'allait recevoir dans le sud-est pays, plus précisément dans la commune Côte de Fer. Et pays Matéli. Mais on te joint monsieur, tu as deux policiers ensemble avec deux policiers en fonction qui t'appellent transporter drogue là entre Port-au-Prince. Ils t'ont arrêté Easy One. Qui te non patrouille derrière, avec l'autre monde, yon arrêté M. Léogan, et puis yon arrêté convoi de là devant, avec deux policiers yon, nan Gressier. Et dit one, BLTS te rentré de CPJ en Somavel, ok? C'est pas qui grave vous mettre là, nous pas un pays. BLTS rentré de CPJ en Somavel, de CPJ, passe M. Banal ou la police, et puis le transféré by la justice. Parce que nous connaissons la police, c'est auxiliaire la justice qu'il y a. Et mes frères avec eux, ça nous vient de joindre. 14 mois après, la justice haïtienne blanchit. Et dit, oui, il libère lui. Juge, ils font l'argent. Ils font cob, ils libèrent monsieur. Et monsieur vient de voir la facile pour lui. Américain, il n'a pas besoin encore. Il même continue à vendre droit de lui. Quand il y a là, hier, sous demande FBI, BLTS encore une fois, Marie et Diwan sont honte pour pays a. Kounya s'est rentré, il a pris rentré États-Unis d'Amérique avec Diwan encore parce que il va suspendre vendre drogue. Et puis Haïti saute libéré. Mais qui pays qu'on gagne. Et puis n'a dit mon ça comme si m'a donné fait pays. Donc équipe volant juge judicieux même parce que en bas les juges qui pas dans volant. Gon jeune et juge dernièrement là et dit mieux femme connaît que les autres subi attaque kidnapping juste ça relé. Alors, Fignolé, Annie Fignolé, yon jeune dame. Ok? Moun sa se de moun qui choisit appliquer la loi. Nan moment pour la loi appliquer. C'est la loi qui comme bouche. C'est la loi qui comme bouche sol yo. C'est de moun à respecter que yoye. Gyon l'autre juge encore qui est le chandelier. Moun sa se de moun à respecter que yoye dans le système nan. Et ça fait que yon bagé l'argent. Parce que yon pas choisi rentrer. Nan compromis avec volo, avec gang, avec dealer drogue. Ça fait que nous avons pour construire des caillou. C'est prêt au cas où nous faisons dans le BNC. Prêter l'argent. Mais nous n'avons pas de cob. Nous n'avons pas vivre bien. Nous n'avons pas de police qui sécurise. Parce que nous n'avons pas protéger assassin. Et c'est nous avons toujours qui est toujours pauvre dans le système. Nan. Mais juge, qui a libéré le droit de dire, nous avons aïe aïe aïe. Quand nous avons dans la boule, dans le pèlerin, dans la montagne noire, dans mon calvaire, c'est dans Thomasin, dans Keskov. Mais juge, qui rete, qui fonctionne avec la loi, yon pap gen kob. Son choix que yon fait pour yon pas riche. Son choix que yon fait pour yon mourir pauvre. Parce que système ça, de pour droit là-dedans, ou font choix pour mourir pauvre. Et c'est ça, juge Anifé, Annie Fignolé, c'est juste, c'est choix ça, juge et Chandler fait. Ma profite pour me saluer, courage pour ça, parce que pays yon supposé kon moun sa yo, parce que l'on des juges qui respecte la loi, qui appliquer la loi, faut qu'on parle de yo pour nation qu'on est yo
pour que le pays a respecté. Parce que dans le système, ça, c'est pas tout vraiment qui pourri. Alors, capable de retirer deux graines, ça, quelqu'un nous connaît, dans le système pourri, senti ça, pour que l'autre majorité n'a pas comme si, pas affecté. Nous sommes capables de comprendre ça très bien. Et mes femmes avec ça, c'est ça nous reconnaît. Parce que le pays a fini. Le pays a cédé les drogues, c'est assassin, c'est criminel qui a fait la loi. Nous devons connaître ça. Encore une fois, femme avec somme, je profite pour me dire bonjour à tout le monde. Et maintenant, nous restons connectés avec la plateforme YouTube, mais je toi, parce que grand pile d'informations, dans ce qui est pour avec déclaration, il a été fait. Et avec CNN, côté qu'elle t'a dit, pour libérer Colombie, restez pour nous, il y a des révolutions qui viennent après-midi. Avec la plateforme YouTube, Infobeto. Je vous dis que nous sommes en pile, et son plaisir, pour que nous sommes avec nous. Kébé là, à bientôt.